Ah, les réalisations qui font ma fierté aujourd'hui est que Dieu, il m'aime tellement que, comme il aime aussi les d'autres personnes, que tout ce que j'entreprends me réussit. Je ne sais pas, moi, mais je ne connais pas le secret. Je ne peux pas dire aujourd'hui, voilà le secret de ma réussite. Moi, mais je connais pas. Peut-être mes parents, mon père et ma mère, elle vit encore. Peut-être elle connaît le secret. Puisque après avoir fait 7 ans de mariage avec mon père et il n'a pas eu d'enfant, et que papa Oshofa a prophétisé ma naissance et papa Oshofa lui a donné mon nom, que l'enfant s'appellera Paul, et que papa Oshofa lui a aussi dit que voilà, l'enfant il va travailler dans l'église de Dieu au Bénin et il le fera aussi en Europe, et que et peut-être il leur a déjà dit que voilà, il fera aussi telle chose. Peut-être que les parents ne m'ont pas dit, mais par la grâce de Dieu, tout ce que moi j'entreprends, ça me réussit. Donc voilà, je suis père de famille, jeune que je suis, et je pense que c'est une grosse fierté pour moi d'être papa, d'être appelé papa. Il y a de cela bientôt 8 ans, donc c'est une fierté pour moi que je prouve. Et je pense que c'est une belle réalisation d'avoir un enfant quand j'étais encore très très jeune. Okay. Les difficultés que je rencontre dans ma fonction de responsable de paroisse sont d'ordre organisationnel, je vais dire. Sont d'ordre organisationnel parce que, comme je l'ai dit, entre-temps, tu ne peux pas être responsable de paroisse et vivre de la paroisse. Peut-être au Bénin, c'est faisable, mais en Europe, c'est un non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre de l'église en Europe. Tu vas rester affamé. Donc voilà. Donc les difficultés que je peux dire, que je rencontre dans mes fonctions, sont que le fait de quitter mon travail, et je sais que voilà, c'est mercredi, il y a le culte du soir, même si celui qui est programmé n'est pas là, je suis obligé d'être là. S'il n'est pas là, je conduirai le culte avant de rentrer chez moi. Et laissez-moi vous dire, la distance qui nous sépare, qui sépare les villes ici en France, elle est énorme. Tu vois, quitter, moi, je travaille à Paris, quitter Paris pour faire le culte à Goussainville, vous voyez le temps que ça met avant de venir à Goussainville avec ta voiture. Et maintenant, retourner de Goussainville et aller sur Paris et rentrer chez soi, vous voyez la distance. Alors que entre-temps, tu es déjà venu faire le culte. Tout ce temps-là, vous voyez, et le lendemain, tu es obligé d'être au boulot, vous voyez. Donc, à part ces petites difficultés d'ordre professionnel, je pense que le reste est bon. Dieu merci que Dieu m'a donné un boulot qui ne me permet pas de travailler le week-end, qui ne me prend pas dimanche, parce qu'en France, ici, on travaille du lundi jusqu'au dimanche. Donc, je rends déjà grâce à Dieu qui a permis à ce que je ne travaille pas les week-ends. Je travaille du lundi au vendredi et les week-ends, je suis libre. J'ai de la paroisse de Goussainville sont grands. Nous visons grand pour la paroisse de Goussainville. Elle a été créée en 2003 par le respecté vénérable suprême évangéliste Yves Jonas Awuyo. Et cette paroisse a été inaugurée. Et en 2008, par le pasteur d'alors, aujourd'hui il est devenu révérend pasteur, donc papa Adé Ogun, qui était pasteur de fonction des zones ecclésiastiques d'Europe entière et des États-Unis, c'est lui-même qui est venu inaugurer la paroisse ici en 2008. Et la paroisse a travaillé depuis ce temps jusqu'à l'heure où je vous parle, et elle a tout fait pour avoir sa déclaration officielle d'exercer le culte du christianisme céleste en septembre 2015, sous réserve de finir les travaux d'aménagement de type ERP, établissement recevant du public, ce que nous nous acharnons à faire pour rendre quand même les lieux dans les normes telles que la législation française nous demande.
Donc, c'est ce que nous sommes à pied d'œuvre de faire. C'est pourquoi vous avez vu, si vous êtes déjà venu à Goussainville il y a 5 ans, aujourd'hui vous rentrez à Goussainville, vous verrez tout de suite qu'il y a un changement radical. Vous voyez que ça a changé le temple, même les locaux ici, tout a changé parce que nous sommes en train de rendre quand même les lieux dans les normes de la législation pour pouvoir obtenir l'autorisation définitive d'exercer le culte de l'Église du christianisme céleste. Donc, notre projet à long terme, c'est quoi? C'est quand même d'acheter ces lieux pour la gloire de Dieu d'Oshofar. Vous savez, acheter ce que ça coûte. Donc, voilà. Vous savez ce que ça coûte en France, acheter un local pour le Dieu d'Oshofar, ça demande beaucoup de pognon, ça demande beaucoup d'euros, ça demande beaucoup de dollars, ça demande aussi beaucoup de francs CFA. Donc voilà, nous sommes à pied d'œuvre quand même, c'est nous, c'est dans notre projet pour acheter ces lieux pour la gloire de Dieu dans le diocèse de France. Et au niveau du diocèse de France, le diocèse dirigé par Papa Alopo, je dirais ça se passe bien parce que Papa Alopo, il dirige le diocèse de main de maître. Et tous les mois, nous avons la réunion du comité, pardon, pas du comité, la réunion diocésaine, vous voyez. Et à cette réunion sont convoqués les représentants des paroisses. Le chargé paroissial, le secrétaire de la paroisse et le trésorier. Et à cette réunion, chaque paroisse fait le point des activités de sa paroisse. Vous voyez, il fait le point, le compte-rendu, comment est-ce que les cultes ont été exécutés dans leur paroisse respective au cours du mois. Les difficultés que cette paroisse a pu rencontrer au cours du mois. Les problèmes que la paroisse a pu régler au cours du mois. Est-ce que le loyer a été payé? Vous voyez un peu combien de baptisés, combien de sorties d'enfants. Donc le diocèse dirigé par Papa Alopo se renseigne sur cette donnée-là. Ce qui fait que le diocèse de France, avec la collaboration avec les autres chargés, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret en tant que tel entre nous. Vous voyez, donc on est en famille, c'est une église unie. Donc chaque responsable de paroisse étale les difficultés de sa paroisse au-dessus des autres chargés. Et s'il y a des interventions, s'il y a des chargés qui peuvent intervenir pour aider la paroisse souffrante, et ça n'hésite pas, ça vient automatiquement. Vous voyez, ça vient automatiquement, les paroisses se désignent et puis ces paroisses viennent en aide pour la paroisse en difficulté. C'est ce qui est bien dans le diocèse dirigé par Papa Loco. Moi, je ne suis pas statisticien pour faire ce sondage. Je pense que nous allons donc soumettre ce sondage-là aux experts. Et qui nous feront ça. Mais au vu des réalités que nous constatons sur nos différentes paroisses, sans vous mentir, c'est vrai, il y a beaucoup de chrétiens célestes en France, mais qui sont découragés, qui ne vont plus à l'église à cause des petits problèmes que vous connaissez, que nous connaissons déjà. Seul Dieu unira son église. Mais à l'heure où je vous parle, je ne peux pas donner un chiffre exact de ce que les fidèles célestes font en France. Car on sait déjà que sur les paroisses, et il faut compter jusqu'à 30, 40 ou 90, 100 pour les grandes paroisses de fréquentation de fidèles. Et donc vous voyez, alors que nous n'avons pas assez de paroisses en France, vous voyez, si on peut estimer, on peut aller sur cette base et faire le calcul pour même vous conclure avec moi que voilà, on ne fait pas grand nombre en France. Seulement ceux que Dieu a suscités, ils s'élèvent même en hiver, ils font tout possible pour aller à l'église. L'état de l'église en France aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons répondre? L'état de l'église en France aujourd'hui, c'est que Dieu d'Oshofar a le contrôle de tout. Personnellement, ça va mal. Ça va mal. Au vu de tous, ça va mal. Ce n'est pas avec la joie du cœur que nous le disons, mais ça va changer. Les choses vont changer par la grâce de Dieu et que tout ira pour de bien pour l'Église en France. L'État français, comme je l'ai dit, ne reconnaît pas encore l'Église en France, sous prétexte que l'Église du Bénin ne l'a pas encore reconnue. Aussi, la loi 1901 sur laquelle les associations sont enregistrées est juste là pour les associations.
Et il faut une fédération de toutes les associations, en passant par la loi de 1905, pour que l'Église soit reconnue par l'État français. Ce qui est difficile à cause de la situation d'aujourd'hui. Déjà, il y a les tendances que vous savez déjà. Qui sera le chef de tous? Qui sera le moins gradé? Qui sera le super chef? Qui sera le moins gradé? Il y a ça, et c'est ça qui ralentit les activités. Et que l'État français ne nous reconnaît pas en tant qu'une église, mais une association. Chaque paroisse est régie par la loi 1901 en tant qu'association. Donc c'est pourquoi les indemnités, les allocations que nous pouvons donc percevoir de l'État français sont bloquées. C'est dans le tiroir. Mais le Dieu de Chauffard, il va tout faire pour que ces allocations à nous reviennent. Car si nous sommes subventionnés, si l'Église du christianisme céleste est subventionnée en France, je pense que nous aurons de bons temples en France. Nous allons faire de grandes choses, nous allons faire des processions. Et les Français, ceux qui ne nous connaissent pas, vont commencer par nous découvrir. Parce que nous allons faire des Galilées, nous allons faire des processions. Et puis en été comme ça, nous allons organiser des barbecues, nous allons faire des choses. Et que les gens vont nous découvrir en plus, encore plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Si on le fait, donc la police est derrière nous. On n'a pas le droit de le faire. Vous voyez, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est quand même pitoyable. Mais le Dieu de Chauffard, il doit. Bientôt, tout cela sera réglé. Moi, j'ai cette conviction. Ma part pour que l'Église quand même soit reconnue par l'État français, et si cela ne se tenait qu'à moi seul, bon, moi, je ne suis pas le responsable de l'Église en France, loin de là. Donc, je pense que c'est les responsables de l'Église de France qui vont sortir l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la chance qu'un jeune est élu président de la République. Mais si nous sommes sérieux et que nous nous entendons, une délégation peut demander à rencontrer le chef de l'État Emmanuel Macron, demander audience. Ah oui, Emmanuel Macron, moi j'ai été surpris et quand Emmanuel Macron a répondu à un appel d'un collègue, il était au standard ce jour-là, il était au standard de l'Élysée et il était parti rendre visite à ses agents à l'Élysée. Pour voir comment est-ce que le standard de l'Élysée fonctionne. Mais la chance de ce collègue est qu'il est tombé sur le président. Et c'est le président même qui lui a parlé. Et il a dit ce qu'il voulait au président. Bon, j'ai vu que c'est un président qui est ouvert. Mais si nous nous organisons et demandons audience, mais pourquoi pas? Et ça peut commencer par là. Mais aujourd'hui, personne ne veut porter la soutane pour aller vers les autorités françaises. Ça fait honte, je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne me fait pas honte. On peut me dire de porter la soutane pour aller dans mon bureau, je suis prêt, je suis le premier à partir dans ma soutane pour aller travailler. Vous voyez? Donc ma contribution, si les responsables de paroisses en France peuvent s'organiser et demander audience auprès du président de la République française, je pense que ça peut prendre du temps, mais je pense que l'audience sera accordée, ils vont étaler leurs problèmes. Et puisque Emmanuel Macron, tel que nous le connaissons, dans son équipe de campagne, quand il a fait sa campagne avant d'être président de la République, nous l'avons approché un peu, nous connaissons un peu les objectifs de ce monsieur-là. Et ce monsieur n'est pas si fermé que ça. Il n'est pas fermé que ça. Donc, ça peut être un bon début, mais nous n'avons pas dans ce pouvoir de le faire. Ce que je veux que mes enfants retiennent de moi, c'est que mes enfants sachent que leur papa a été utile pour l'œuvre de Dieu. Que mes enfants retrouvent le nom de leur papa dans les archives. Que mes enfants voient que leur papa a fait quand même quelques prouesses pour l'Église de Dieu. C'est tout ce que je veux. Et celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Donc c'est ce que je veux que mes enfants retiennent de moi. Je vais planter un arbre, et quand je ne suis pas là, quand on va voir cet arbre avec ses fruits, on dira que c'est là planté par ce monsieur entre-temps, ce jeune, voilà l'arbre qu'il a planté. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas que les gens retiennent que j'ai été riche. Non, je ne veux pas ça. Mais je veux poser des actes concrets, faire des choses qui vont attirer l'attention et qui vont donner l'envie à d'autres personnes de nous emboîter le pas.
Oui, nous avons la cathédrale de à Papa Zombo, mais au Bénin, la cathédrale Troupeau Béni de Côte d'Ivoire. Nous étions là-bas en décembre dernier à l'inauguration. On a vu que il y a eu beaucoup d'investissements de la part de Papa Justin Akka. Je me suis rapproché de lui le jour de l'investiture, de l'inauguration, pardon. Je lui ai demandé, mais à combien on peut estimer tout ce que tu as mis dans cette cathédrale-là? 1 milliard de francs CFA environ. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Mais malheureusement, en France, nous n'avons rien. Alors que nous avons les moyens, les capacités d'avoir donc une cathédrale digne de nom pour le Dieu d'Oshofar. Ce qui me fait plaisir est que si Dieu il me donne de l'argent, moi je n'hésiterai pas à construire une cathédrale pour Dieu en France, pas en Afrique. Je n'hésiterai pas. Si le Seigneur me donne les moyens, il dit, tiens Paul, je te donne ces moyens aujourd'hui, je n'hésiterai pas à faire quelque chose de bien pour l'Église. Et doter l'Église du christianisme céleste en Europe ou en France, non, puisque je vis en France, doter l'Église du christianisme d'un joyau qui ne dit pas son nom. Et je prie le Seigneur, tel qu'il a béni nos anciens et nos devanciers, que le Seigneur nous bénisse aussi au retour pour que nous fassions cette œuvre utile. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire au sujet aux Français qui sont réticents d'aller à l'église du christianisme céleste, qui ne se retrouvent pas d'ailleurs dans la liturgie de l'église, soit en disant que voilà, c'est typiquement africain, donc c'est pas nous, notre genre. Oh, on ne peut pas les en vouloir. Vous voyez, donc c'est juste leur dire, les amener, leur expliquer le bien fondé de notre Église. Ce sera difficile. Déjà, il y a des fausses publications qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous met mal à l'aise, qui ne nous permet pas quand même d'afficher des choses qui sont normales dans l'Église de Dieu. Donc vous voyez un peu. Donc déjà, ces gens-là, ils ont la connexion. Quand tu dis je suis christianiste céleste, ils vont sur Internet, ils tapent ce qu'ils voient, ça les dégoûte aussitôt. Vous voyez. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de chaque personne. Et si Dieu veut ramener ces Français de souche à l'église, il le fera. Il le fera à coup sûr. Donc ce n'est pas nous qui allons combattre à la place de Dieu pour que ces gens-là viennent à l'église. Mais quand l'heure de Dieu sonnera, ils viendront. Déjà, il y a quelques-uns qui arrivent déjà. Ils ne viennent pas pour faire le culte, mais ils viennent, ils ont de petits problèmes. Ils viennent faire la vision. Et certains d'entre eux sont satisfaits des révélations. Ils viennent, ils font des combats, ils font des prières, des combats. On en fait ici, aux Français de souche. Ça, je ne peux pas le cacher. On le fait ici, ils viennent. Même le dimanche passé, il y avait deux Françaises qui étaient là. Donc, elles ont suivi le culte du début jusqu'à la fin. Elles ont dansé, avant par où on a chanté, elles ont tout fait avec nous. Et à la fin, ce qui les a amenés, c'était de faire les travaux spirituels pour lesquels elles sont arrivées. Donc, ce qui a été fait, vous voyez. Donc, déjà, quand on les enseigne, on leur montre ce qu'on fait dans notre église, je pense que comme ça, le Seigneur touchera le cœur de chaque Français et Française et qu'ils vont adhérer à l'église et que l'église ne sera que pour les Noirs. Dans l'horizon de 5 à 10 ans, l'église, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Là, je vous assure, je ne suis pas visionnaire. Je ne suis pas visionnaire, mais avec la dynamique dans laquelle je vois les choses évoluer aujourd'hui, moi, je lance cet appel à nos hauts dignitaires, à nos devanciers, de faire beaucoup attention. Les choses vont changer d'ici 5 à 10 ans. Ce n'est pas de la révolution, pas du tout. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça, jamais de la vie. Mais l'heure viendra où le Seigneur lui-même va susciter des personnes pour changer les choses. Regardez l'œuvre que vous êtes en train de faire. C'est quelle paroisse qui vous a doté de ce matériel? Combien vous payez pour vos déplacements? En tout cas, moi, je ne vous ai rien payé. Et pourtant, vous êtes venu, vous avez quitté très loin pour être là aujourd'hui. Et vous le faites ceci pour la gloire de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, si nous sommes dans cette optique pour redorer le blason de notre Église, mais vous pensez que le Dieu de Chauffard, il est mort, c'est fini, on l'a enterré à Imeko? Il est vivant dans son église, bien-aimé dans le Seigneur. Il est bien vivant dans son église. Donc, au bout d'ici 5 à 10 ans, beaucoup de choses vont changer. Et je voudrais inviter tout le monde de prendre ce vol-là. Si quelqu'un est réticent et qui ne veut pas suivre le mouvement, tant mieux.
J'ai dit tant mieux. Parce que l'église, on doit sortir l'église du christianisme céleste. On doit montrer l'église du christianisme céleste. On doit montrer les bienfaits de l'église du christianisme céleste à tout le monde. Par n'importe quel moyen. La communication, sur les réseaux sociaux. Tout, on doit montrer l'église du christianisme céleste à tous. Avant, on était sous terre. Maintenant, il faut que nous sortions maintenant la tête de l'eau. Il faut qu'on dise, voilà, nous sommes célestes. Nous sommes célestes et on n'a pas peur. Je vais vous raconter une histoire. Je quittais Cotonou pour Abidjan et je prenais un vol Cotonou-Abidjan pour aller justement à l'inauguration de la cathédrale de Troupeau Béni à Abidjan. Je suis habillé en soutane pour prendre mon vol. Et il y avait quelqu'un à côté de moi qui me demandait, c'est quoi ça? C'est pas le français, c'est un noir, hein. J'étais en Afrique. Je dis, mais je suis fidèle d'une église. Je dis, c'est quelle église? Église du Christianisme céleste. Non, moi, je ne connais pas. Ah bon, vous ne connaissez pas? Et qu'est-ce que vous faites dans cette église? Il dit, on fait tout ce que Dieu me demande de faire, puisque l'église, elle est basée sur la Bible. Donc, tout ce qui est dans la Bible, c'est dans cette église. Elle dit, ah bon? Et comment on fait pour être adhérent de cette église? Il dit, ben, pour adhérer à l'église, il faut commencer par fréquenter une paroisse. Allez suivre les formations, les enseignements, on vous dira tout sur cette paroisse-là. Et quand vous êtes convaincu de ce que oui, vous êtes prêt pour être baptisé, le responsable de la paroisse va vous programmer, vous allez recevoir votre baptême. Alors, moi personnellement, quand je suis descendu de l'avion, je me suis posé cette question. Et si effectivement, cette dame elle prenait le baptême, est-ce que le fait que j'ai porté ma soutane pour monter dans cet appareil qui m'a ramené de Cotonou à Abidjan, si je n'avais pas porté cette soutane, est-ce qu'elle allait me poser la question de savoir c'est quoi l'église du christianisme céleste si elle n'avait pas vu ma soutane? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc je pense que peut-être parce qu'elle a vu que j'ai porté ça, elle a été curieuse, elle a demandé. Et j'ai pris le Seigneur, après j'ai plus de nouvelles, mais je sais que le Seigneur va se révéler à elle. Elle va aller dans une paroisse, elle va se renseigner peut-être. Elle serait déjà fidèle de l'église du Christianisme céleste. En ce faisant, nous gagnons des âmes pour Christ. Les gars, portez les soutanes. Portez les soutanes. Sortez, mettez vos soutanes. Il faut les laver, les repasser, portez-les. Si vous pouvez aller dans un endroit où la soutane, elle est permise d'être portée, portez-la. N'ayez pas honte. Ah non, je me rappelle, en 2014, papa Yves Jonas Awoyo, il y a un fidèle de Goussainville qui devrait se marier à la mairie du 17e, à Paris. La mairie du 17e à Paris. Mais ce jour-là, on était tous habillés dans nos costards pour aller à ce mariage du frère Céleste. Mais le chargé Awoyo, lui, qu'est-ce qu'il a porté? Il a porté sa soutane, puisqu'il est le parrain de ce mariage-là. Il a porté sa soutane à la mairie du 17e en 2014. Et il était en soutane quand on est parti. Quand moi je l'ai vu au mariage, j'ai dit, mais chargé, mais comment tu peux porter la soutane pour venir ici à ce mariage-là? Faut pas gâter notre nom. Et il dit, non, si on ne sort pas l'église, comment les gens sauront qu'il y a une église qui existe? Mais ça, c'est étonnant. Même le mec qui célébrait le mariage, quand on l'a appelé pour signer, mais quand on l'a vu, il n'a pas porté de chaussures à la mairie, mais ils étaient étonnés, ils se posaient des questions, les gens sont venus lui demander, il a expliqué ce qu'est l'église. Mais si on doit toujours rester dans notre cabale et puis voilà, c'est bon, et que Dieu va faire, mais Dieu ne fait pas sur le néant, le Saint-Esprit n'agit jamais sur le néant. Il faut que le Saint-Esprit agisse sur quelque chose, il faut faire quelque chose, bien aimé. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, comme ça je vois qu'on peut faire aussi la propagande de notre église, si nous l'aimons vraiment. Je remercierai le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et car dans mes prières et dans mes méditations, ce qui sortait fortement de moi, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et répondre à l'appel de Dieu, si c'est une œuvre d'un homme comme moi, cela ne se produirait jamais, au grand jamais. Donc il fallait donc que je m'ouvre à cet appel et faire œuvre utile pour que l'Église puisse aller de l'avant. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui que je suis retrouvé dans un système européen qui nous donne quand même certaines légitimité de faire
de faire valoir donc nos compétences. Donc je profite donc de cette chance aussi pour appeler les frères et sœurs qui sont dans cette église de Kisani Céleste, que jeune que vous êtes intelligent, vous avez de la compétence, et je voudrais que vous mettiez cela au service de notre église. Je le dis parce que j'appartiens à un mouvement de jeunes chrétiens célestes qu'on appelle Dynamique Céleste. Ce mouvement que le Seigneur a suscité, un frère jeune comme moi, qu'on appelle Tony, le vénérable Seigneur leader Niem Joseph, qui est le secrétaire général de la paroisse Saint-Michel d'Orné, que le Seigneur a suscité de créer un mouvement de jeunes, et dans ce mouvement de jeunes de France justement. Et dans ce mouvement, on s'est retrouvé, on pensait que c'était quelque chose d'amusant, mais la chose a pris une dimension que nous aussi on ne comprend plus. On ne savait même pas qu'on avait des jeunes talents qui sont de l'église du Christ Céleste, et ils ont du talent dans certaines matières. On a découvert cela, cela nous a réjouis. Et cela, on a dit maintenant, il faut mettre maintenant ces talents-là ensemble. Il faut faire la fusion de tout ça là pour aller maintenant à l'assaut, pour aller maintenant conquérir. Bien-aimés frères dans le Seigneur, mon appel est que si vous êtes chrétien céleste, ici en France, en Afrique, partout dans le monde, je vous donne ma parole. Allez, faites de la nation ce que Jésus-Christ vous a demandé. Faites de toute la nation, faites connaître votre Église à n'importe qui, dans vos lieux de travail. Dites, je suis chrétien céleste, ça ne coûte rien. Dites, je suis fier d'être chrétien céleste. Au contraire, Dieu te bénit et Dieu bénira chacun d'entre nous. Notre Église, c'est notre patrimoine commun. C'est mon mot de fin. L'Église du Christ céleste, c'est un patrimoine commun. Et ce patrimoine laissé par le révérend prophète pasteur Bilio Joseph Oshofa. Nous sommes tous ses enfants. Nous avons donc l'obligation. C'est obligatoire de faire avancer l'œuvre gigantesque que le PPF a laissé. C'est à nous, c'est à nous. Comme il a prophétisé sur moi, je suis sûr qu'il a prophétisé sur d'autres personnes, sur plusieurs personnes. Alors, et aujourd'hui, il n'est pas là. Pourquoi ne pas faire œuvre utile pour faire avancer ce qu'il a commencé? Moi, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Le jour où je meurs, c'est fini. Je ne fais plus d'œuvre. Mais tant que je suis en vie, même étant malade, je vais faire ce que je peux faire pour la gloire de Dieu. Je vous remercie.